content d'être à cette position-là. C'est une étape qui était à la rigueur la moins favorable pour nous. Une étape où le bateau n'est pas favorisé parce que c'était du petit temps, c'était du pré, des allures où les bateaux vont pas très vite. Et voilà, c'est pas ce qui nous convient habituellement, mais finalement on a navigué beaucoup au contact des meilleurs et on était vraiment présents et on s'est battu pour toujours être là, jamais se faire décrocher. Bon, c'est vrai que Telefonica a réussi à nous décrocher un peu sur la fin. C'est un bateau qui est extrêmement rapide dans ces conditions-là. Mais on est vraiment. On revient dans le match avec les autres, avec Compère, avec Puma, et c'est une bonne opération. You know, we've sailed for probably 14 days, and the whole time there's been four boats all together the whole time looking at each other. So it's been quite intense leg, and it's been just a stressful leg. You know, no one likes to go upwind for that long, and it's. But everyone's glad to be here, and in second place is a great result. C'était, je pense, l'étape la plus difficile, la plus intense en termes de manœuvre et donc de fatigue pour l'équipage. C'était quasiment impossible de faire d'écart complet les dernières 40 heures parce qu'il y avait, beaucoup de manœuvres, de changements de direction de bateau. Et donc tout le monde sur le pont, tout le monde à stacker. Beaucoup de dangers sur l'eau, des pêcheurs, des reliefs, de la côte, du fond. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour pas être tranquille. Donc on l'a pas été. C'était une très très belle étape parce qu'elle a été d'abord d'un engagement physique incroyable. Et puis on a été très au contact des autres. Donc c'est exactement le rêve de tout coureur par rapport à la Volvo Ocean Race. Avec un parcours compliqué, avec un parcours difficile et puis à la fois un parcours assez exotique. Parce qu'on était très proche des côtes. Traverser le détroit de Malacca, longer les côtes du Vietnam, tout ça, ça fait rêver pour un Européen. Le Mekong, c'est Saigon, Ho Chi Minh maintenant. Et pour la petite histoire, mon père, il faisait... À un moment donné, il était officier mécanicien sur des paquebots qui faisaient la France et l'Indochine. J'ai toujours entendu parler de Saigon par mon père, qui était un peu nostalgique de cette époque. Donc c'était rigolo. J'ai envoyé un petit mail au large de Saigon en disant « sur les pas de ses ancêtres ». Hey, hey, je crois qu'on est un peu plus craint et on a montré des belles qualités. Mais ça reste, on est au tiers de la course. Il va se passer encore plein de choses. Il faut qu'on a certainement été le bateau qui a le plus progressé. Donc c'est très important à ce moment-là. Oui.